Bonjour messieurs, ouais. Dames. Ouais. Je suis là. Alors nous sommes les trois méditants de ce lieu, qui est le mémorial de la paix, que vous avez ici, qui a été fait par un Japonais, qui représente les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et le vent, avec un phénix. C'est, vous avez le bec là, puis les ailes, et puis le soleil au milieu là. Et le petit cercle qui représente l'infini et aussi la révolution. Parce que nous sommes dans une période très particulière. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir aujourd'hui, le premier dimanche d'avril. Parce que dans le monde, les choses sont en train de bouger. Nous avons les gilets jaunes en France. En Algérie, il y a aussi des gens qui se réveillent de partout, au Venezuela. On est dans cette fin de révolution et on va en entamer une nouvelle, où la paix et les consciences vont se réveiller. Et moi, je ne suis pas important. Je ne suis pas important, je suis juste dans une action. Je suis un catalyseur, comme vous l'êtes vous aussi, messieurs, qui me filmez en ce moment. Alors, je me présente, je suis un ancien sapeur-pompier professionnel de Bordeaux. Et voilà, j'ai déjà fait un tour de France pour une œuvre humanitaire qui s'appelait Clitored, pour construire des femmes excisées, construire un hôpital en Afrique. Et puis un jour, j'ai rencontré Jean-Marc. Je suis venu ici parce que tous le 6 août, il y a un rassemblement de l'Appel des Sangs et pour se rappeler de cette bombe atomique qui a tué 250 000 personnes sur la Terre en une seule bombe, c'est-à-dire l'équivalent de Bordeaux et sa banlieue. Et ce monument a été offert par un Japonais. Pour moi, c'est le monument d'Hiroshima et Nagasaki. Il n'a pas été choisi par hasard et il n'a pas été mis ici par hasard. Effectivement, je voudrais revenir oui, sur ça, avec pas mal de monde. Et tu as pris la parole et je me souviens, tu as lancé l'idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver pour un moment de méditation une fois par mois, voilà, le premier dimanche du mois. Et alors, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ceci. Ouais. Et tout est parti d'une rencontre. Et ce vélo-là, en fait, c'est ça ce qu'on va essayer de faire, c'est faire des rencontres. Parce que plus les gens se rencontrent, et plus ils s'aperçoivent qu'ils sont identiques, et ils cherchent ce qui les rapproche, et le monde change, le monde bouge. Alors dormir dans une caisse en fer, ça va attirer le regard. Et voilà, mais c'est pas compliqué de pédaler, c'est 150 coups de pédale pour faire un kilomètre, et puis après il suffit de rajouter, et puis voilà, puis on fait le tour de France. Et alors justement, dans quel état d'esprit tu pars? C'est-à-dire, t'imagines, tu vas faire quoi pendant ces semaines, pendant ces mois sur ton vélo? Alors pendant ces semaines ou pendant ces mois sur mon vélo, ben, je vais essayer aussi de travailler sur moi, parce que faire la paix sur la planète, c'est aussi faire la paix en nous. Un homme a dit, il y a de la violence sur la Terre parce qu'il y a de la violence en nous. On a tous à travailler sur nous pour pouvoir que ce monde bouge. Voilà. Et se rendre compte de nos faiblesses aussi. Et là, je vais souffrir parce qu'il y a des moments donnés où il faudra marcher. Voilà. Et c'est important, je pense. Et notre rencontre, Jean-Marc, elle a été... Ce qui m'a beaucoup plu chez Présenza, c'est l'amour des différences. Voilà, c'est ce qu'il y a ici, là, la non-discrimination. Parce que moi, je fais partie d'une minorité philosophique qui, automatiquement, considérée comme secte, on te met dans un tiroir parce que tu es différent. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait inclure tout le monde, on ne peut pas aller vers la paix. Voilà. Alors, il y a des gens qui... Le mouvement pour la paix, etc., etc. Mais il y a plein de choses, mais en fait, on exclut beaucoup de personnes parce qu'elles sont différentes. Alors, on est dans un système pyramidal avec le chef en haut et puis les autres qui commandent. Et ce que j'ai ressenti chez Présenza, et c'est pour ça que j'ai adhéré et que j'ai dit « faut que je fasse quelque chose avec Jean-Marc », ce que j'ai ressenti, c'est cette ouverture vraiment que tu as avec cette revue de presse. Tu vas chercher ce qu'il y a de bon chez les gens et vous la mettez en lumière. Parce que dans ma minorité, comme partout, il y a du bon et du mauvais. C'est ce qui est important, c'est aller chercher l'essence des choses. Et un prophète a dit, un jour chacun sera le propre maître de sa propre idéologie ou de sa propre secte. Et on aura atteint, certains diront Dieu,
et certains diront la conscience cosmique. Moi, je dirais la conscience cosmique, c'est ça. Et si nous voulons créer la paix, parce que c'est la seule solution, c'est pour ça que ça me tient à cœur, c'est la seule solution pour un monde nouveau, c'est la paix. C'est là-dessus. Et pour cela, il faut aller à l'encontre de l'ordre. Alors, effectivement, il faut faire la paix en nous. Et pour faire la paix en nous, je pense qu'il faut sortir des voyages organisés. Il faut s'organiser soi-même. Il faut devenir des autodidactes, tu vois. On n'a pas besoin d'un gourou, d'un maître, d'un machin. On a des valeurs communes et on aura toujours des pensées différentes. Mais on aura des valeurs toujours qui nous rapprochent. Et toujours chercher ce qui nous rapproche, et je pense que c'est ça. C'est faire des petites actions. Moi, c'est pas l'action qui est importante, si tu veux faire le Tour de France en vélo, le côté médiatique qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'être humain qui va se dépasser, qui se dépasse, tu vois, et qui va à l'encontre de l'autre, qui essaye de comprendre l'autre, d'aimer l'autre. On dit aimer, respecter l'autre dans sa différence, essayer de le comprendre.